ap salye tout internet yo. Donc c'est un plaisir à ça pour nous avec vous de nouveau. OK, magistrat, avant de rentrer dans le couloir humanitaire là, ça a été pratiquement une semaine depuis que nous recevons là, qui s'est changé, fait nous état de situation pour l'instant pendant la paille là, c'est soleil. En tout cas, de l'autre, tu es parlé avec moi aujourd'hui, hein? Eh bien, est-ce que là, la vie est plus grave? Et est-ce que nous continuons à mourir? Quel est l'état de la situation? Bon, effectivement, et Assad, donc, lorsque nous t'ai rencontré ensemble avec vous, dans Gazette. Dans l'émission, dans Gazette, donc, nous t'ai fait un cri d'alarme avec le gouvernement, avec acteurs, tous les 10 partis, ça, ils attendent nous. Le gouvernement attendait nous, lire les noms, ils font chita, et acteurs attendent nous tout, ils font baisser les armes. Donc, je dis, là, situation, elle paraît plus ou moins calme, dit plus ou moins parce que, et nous ne pouvons pas dire nos bons cas total, nous avons dit nos bons cas apparents, qui permettent que j'en ai demandé à un couloir humanitaire pour que mon gouvernement apporte secours, aide lié avec la population qui n'a nécessité à, et puis ONG, tout côté aide avec et population qui n'a nécessité à, et je dis à là, et que le bail qui commence à vivre par exemple. Non, avant d'aller dans le couloir humanitaire là, on dit que. De là, nous t'ai parlé à jeudi, à Guéen, et de belligérants, ils font camper, depuis qu'il est, guerre, camper en la cité. Depuis qu'il est, ça c'est qu'on calme. Bon, nous, quand j'ai pratiquement depuis samedi matin, Guéen calme, apparemment, qui retourne dans la cité, et samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc ça fait, à peu près 5 jours depuis n'est pas tiré entre eux, vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a un calabar qui tournait. Et c'est ça le battement des messieurs, parce que nous te connaissons que c'est petit cité soleil, et il n'est pas nécessairement pour que vous quittez mon mourir comme ça, et vous même vous réclamez tête en tant que petit cité soleil. Donc c'est mon cité soleil encore qui a mouru, et vous attendez la raison, vous font baisser ces amenants. Ok, ça veut dire que de l'autre de samedi à jeudi, donc par exemple, vous avez tiré, par exemple, qui continue à mourir. Donc, est-ce que c'est volontairement le baissez-armes ou bien qui s'est à l'origine? Est-ce que sont repliés pour rebondir encore? Est-ce que l'information sur ça ou bien son bagage qui est définitif? Pas du définitif, mais ils ont fait baisser les armes. Donc, volontairement, ils ont décidé de baisser les armes. Mais nous-mêmes, nous continuons à parler avec le monde pour nous parler, nous continuons à parler avec le gouvernement pour nous essayer de joindre et cessation. Et gourmet ça définitif. Mais pour le moment, pas dire définitif, mais pour le moment, ils font baisser les armes. Ok. Est-ce que vous êtes capable de dire nous, puisque vous avez un bilan qui a bail, différentes organisations de l'homme qui ont bail chiffres, RDH parle de 300 morts, et CAD parle de 150 morts, et est-ce que vous avez une idée de combien de quantités attaquées? Bon, normalement, il y a un chiffre yo... Yo pas exact, j'aime tout là, parce que pas guère qu'un et monde qui a dit mais qui quantité monde qui mourent. Ça qu'arrive monde dans ligue doit être trop haut, ça qu'arrive là trop bas, mais si on suis exact, il pas facile parce que j'ai obtenu des situations pas à l'atelier, il y a des monde qui disparaissent, il y a des monde pas même ouais, vous comprenez, ça veut dire que ou pas qu'a dit exactement mais quantité monde qui mourent. Mais au moins environ selon information que nous gagnons, environ gain 200 monde qui mourit dans la commune par rapport avec pendant la guerre ça a éclaté entre Boston, Brooklyn et Bellecou. Mais chiffre là moi clair ensemble avec vous pour me dire que c'est pas un chiffre qui est exact. Moi dis environ 200 monde mourit. Et un peu blessé. En pile blessé. Donc magistrat, donc ils disent nous font camper, mais comme c'est pas le gouvernement qui négocie d'abord dit trêve ça, mais c'est nous qui décide de faire pour contrôler avant qu'il ait pour commencer. Mais entre temps, nous dit nous arrivons à obtenir un couloir humanitaire. Oui, nous arrivons à obtenir avec un couloir humanitaire et nous en tant que la mairie nous fait travail par nous. Maintenant, il revient à l'État pour que l'État fasse partie par là. Ça nourrit l'État, on a dit l'État central. Parce que, il a dit, nous, est-ce que nous avons trouvé un couloir humanitaire pour que nous venions en aide avec la population? Nous avons dit oui, nous sommes capables. Et ensuite, après l'intervention que nous faisons dans pas mal de stations radio-télévision,
et ensuite nous parler directement avec belligérants yo yo river volontairement font baisser les armes de façon à ce que pour aider yo ka rentrer. Donc ça veut dire que nous parler directement avec belligérants avec nèg chef gang yo. Oui oui, nous parler directement avec yo. Et d'accord pour couleur humanitaire là nous créons. Donc nous veut créer là nous te rencontre avec pour ministre Ariel Henry. Nous connaissons Haïti entre ça qui décide et ça qui fait toujours comme monde de différence. Dis-nous comment ça y est, est-ce que qu'on a créé, est-ce que aide a commencé à arriver, comment ça y est? Bon, effectivement, qu'on a créé, c'est bien vrai qu'on a créé. Donc, en tant que journaliste, ou qu'a mené investigation sur terrain pour regarder pour effectivement qu'on a créé. Hier, nous avons recevoir et l'eau ensemble avec dîner par pour dévoyer par mon yo en bas, donc l'eau arrive très de façon très paisible, tout le monde prend de l'eau, nous voyons de l'eau dans Brooklyn, nous voyons de l'eau dans Boston, nous voyons de l'eau dans Bellecour, donc nous voyons de l'eau presque dans tout quartier yo, parce que mon yo te gen problème de l'eau. Et effectivement, ça veut combien de camions de l'eau comme ça? Et hier, nous voyons environ 22 camions de l'eau. Mais nous avons voyé 200 camions de l'eau descendre en bas. Mais hier, nous voyons 22 camions de l'eau en bas. Donc, 200 camions de l'eau sur une période de temps d'abord? Nous disons 200 camions de l'eau sur une période de 15 jours. Donc, selon ça, nous discutons avec Dinepa. Et de l'eau disponible, donc c'est camion disponible, donc c'est nous pour faciliter que l'entrée. Il y a 4 camions disponibles, disponibles. Donc, nous continuons de voyer le matin encore par le on convoit qui va bas qui va distribuer de l'eau toujours. Maintenant l'irrité avec l'état central là pour planifier éventuel et aide gain pour population. On a parlé avec protection civile et effectivement qui gagne de aide tout la porter avec population, mais on a planifié ensemble pour nous garder dans qui plus bon moyen pour faire aide arriver de façon à ce que pour tout le monde qui a touché. OK, de arriver le son élément central dans le cadre de la situation sérieuse, mais qui ça le promet pour nous après Dieu? Parce que pour nous après Dieu, il faut être mangé. Okay? Ça, après Dieu, nous avons des kits alimentaires que nous avons préparés pour nous avec des kits hygiéniques. Ça, c'est des discussions qu'on a fait ensemble avec FAES pour nous garder avec le gouvernement central là pour nous garder qui est et qui tu as privé. Donc, parce que c'est là qui va le printemps. Jeudi à demain si Dieu veut ou bien jusqu'à samedi parce que ça a commencé des livraisons avec ensemble des kits ça kits alimentaires et kits hygiéniques pour mon yo. Combien nous le viser est-ce que nous avons chiffre dans tête nous par rapport à nous le cas d'intervention à faire sur nous avons chiffre quantité de monde parce que nous avons un pile de monde. Bon, normalement nous parlons chiffre exact comme si nous disons camper son chiffre de monde que nous prenons mais vous êtes capable de comprendre tout le monde va privé toucher. Comprendre, vu parce que pas de possibilité pour tout le monde toucher. Mais, n'a pas voyé, ça nous gagne, quand c'était nous gagne, n'a pas voyé là-bas, n'a pas distribué pour le monde qui n'a nécessité de joindre ni. N'a pas voyé spécifique, n'a pas voyé spécifique dans le quartier qui a boumé ou dans toute cité? Et n'a pas voyé dans toute cité, n'a pas voyé dans le quartier qui a boumé ou non, n'a pas voyé dans toute cité, mais n'a plus, ouais, quartier qui a boumé ou, par exemple, que si n'a pas voyé, et par exemple 50 000 kits dans l'autre zone on a voué 100 000 ou bien 200 000 dans le cas de la Goumen. Mais parce que manger dans le bain pour gonfler pour être pour reprendre le monde non parallèlement on a fait bain ça fait le bain qu'a fait pour assurer que le guerre pas propre dans la cité parce que on a gagné plus force ou bien non. Normalement, on a avancé sur tous les deux points. On a avancé sur le point urgence là, et ensuite, on a avancé sur le point la paix. Et je pense que la paix est supposée faite avec la police, qui a un bras armé, qui est capable de permettre que nous reprenions contrôle de la situation, à savoir mettre les policiers dans le commissariat, dans le sous-commissariat, de façon à ce que pour nous la police présente, et ensuite, pour ne pas continuer à gommer. Donc, nous allons aller sur deux aspects, ça y est. Non seulement on a fait urgence, et on a pensé avec, on l'a fait, et. Qui durable. Durable tout. Parce que, dernière fois que tu parles avec vous, tu dis que, pas de la police en zone ça du tout, tout comme ça y a vide, c'est seulement bon, il parle qui gagne une antenne. Est-ce que, dans la démarche à faire, on regarde tout pour comment la police a tourné, est-ce que, déjà, nous garantie, et qui baille des promesses, non? Tout à fait, tout à fait. Donc,
et n'a pas parlé avec et pas oublier nous rencontrer avec et premier ministre qui est chef CSPN là, donc nous poser pour problème sécurité ensemble avec lui, donc et n'a pas agi sur ça. Et jodi a la nous gagnons blindé qui n'a qu'à foudouya qui ka permettre moun yo sorti dans zone Brooklyn là pour rentrer dans faire le travail et dans un parc industriel là, parce que grand pile qui sorti dans zone ça qui travaille dans parc industriel là qui pas capable, et les moun yo sorti dans parc industriel là pour rentrer là caillou. Maïsa, merci. Et bon, on a de bonne chance parce que nous avons un job, ça a un job facile. Je vais vous donner cité soleil. Et surtout, les conflits, que c'est jeudi à la SAP, qui a fait tout le temps, c'est toujours la même situation. Mon apprend balle, mon apprend mourir. Et pour des aides, yon pour t'y calmer, je recommence encore. Donc, nous espérons un jour, il y a une solution pérenne, définitive, pour mon adhésion, suspendre victime, suspendre gourmet entre eux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut un pays, côté que, au moins, nous sommes capables de vivre dans le monde. Bon, on m'a dit merci à ça parce qu'on permet de nous faire parler ça et que pour la population entende, et n'a pas demandé tout avec le gouvernement, par le biais des ministères intérieurs, et si tu as parlé ensemble avec travaux publics, ensemble avec CNU, pour nous comment pendant nous je nous tiens à calmer, pendant nous je nous calmer, pour nous comment nous t'es nettoyer en deux, parce que ce soleil vraiment sale, de l'eau sale, fatra, tout ça au fait on seul. C'est pas non seulement c'est coups d'âme qui a détruit mon yo, mais qu'on question de l'eau sale, fatra, tout qui a détruit mon yo. Donc, pendant que nous avons fait une, nous avons gardé deux, trois, quatre, pour nous garder ce qu'on a fait en même temps, et pour nous garder la population en confiance, de façon à ce que, pour autorité qui a force, qui a venu, pour que nous avons dit, ok, je dis, nous prenons contre la situation et nous prenons le net. Donc, mais... c'est de ça que nous voulons parler et de ça que nous avons souhaité. Et fait tout. Parce que Jean de Dias, Cité Soleil, c'est une commune qui est extrêmement difficile. Diriger une commune Cité Soleil, c'est pas facile du tout, mais nous avons fait tout ça nous capables pour que nous établir la paix et puis, bah, la population, un minimum de ça que nous avons fait. On ne pas dire le maximum.